trouve intéressant d'intervenir précisément après la conférence d'Élise, puisque je vais, sur le même siècle, raconter une histoire totalement différente, qui n'est pas une histoire de dépenses, de profusion et de jouissance, parce que précisément, j'aimerais vous parler d'une constellation de termes dont on a, pour ainsi dire, oublié le sens. J'aimerais vous parler de sacrifice, de fécondité prodigieuse, de communauté symbolique et de castration. J'aimerais vous parler d'un imaginaire de la monnaie qui, entre la Grèce archaïque et notre modernité néolibérale, a été perdu, voire a été refoulé, bien que des événements dramatiques, donc tout au cours de l'histoire, débâcle économique et crash boursier en tête, n'aient pas cessé de nous en rappeler la loi. À cet égard, le XVIIIe siècle occupe une position intéressante puisqu'il va vivre un certain bouleversement avec l'émergence du papier comme média de la monnaie, dont l'aventure de la banque et du système de l'eau en France est évidemment l'un des noms. Alors que signifie l'usage du papier comme signe de valeur? De nombreux débats eurent lieu tout au cours du siècle que je ne peux évidemment pas retracer ici. J'aimerais seulement pointer du doigt certaines dissonances entre discours théorique sur la monnaie et exploration fictionnelle. Car si les premiers ont, me semble-t-il, et donc ce sera ma thèse ici, ont déjà oublié cette constellation dont je parlais à l'instant, les secondes ne cessent d'en interroger le sens. Et c'est ce que je veux tenter de faire ici, c'est chercher quelques réminiscences, quelques pièces de monnaie qui, au regard de la théorie, comme le dit Klossowski ici, mais dans le bain de Diane et pas dans la monnaie vivante, quelques pièces de monnaie qui ont la transparence de la flamme en plein midi, de la lune dans l'azur, mais qui, abritées dans la pénombre de la fiction, sont d'un intense éclat. Donc, telles des pièces de monnaie qui n'auraient plus cours ou qui ne reprendraient de la valeur que lorsque tous les cours précisément s'effondrent, reformant alors la constellation du sacrifice, de la castration, de la monnaie et de la communauté. Je partirai de Montesquieu, qui offre l'avantage d'avoir réfléchi à la monnaie dans le cadre philosophique et dans le cadre fictionnel, donc dans l'esprit des lois et dans les lettres persanes. Et je vous emmènerai à partir de là, donc pour un bref voyage, en Grèce, en archaïque, via l'Allemagne pour remonter vers le sacrifice. Donc arrêtons-nous un instant sur un texte central de l'Esprit des Lois, livre 22, chapitre 2. La monnaie est un signe qui représente la valeur de toutes les marchandises, nous dit Montesquieu. C'est-à-dire donc la monnaie, en vertu d'une sorte de convention garantie par un pouvoir politique modéré et gouvernée par des lois fixes, permet un échange contre telle quantité de marchandises. On se trouve ici dans ce que Joseph Vogel a appelé un théorème fondamental de la politique de l'argent et des signes sous les lumières, selon lequel les signes en circulation doivent rester couverts par un équivalent en valeur, en métaux ou en objets précieux. À cet égard, en tant que signe, et pour autant qu'ils soient bien couverts et que leur échangeabilité soit garantie par le pouvoir, la différence des monnaies sonnantes et trébuchantes et du papier est nulle. Tant que tous deux représentent bien les valeurs, l'échange se fera sans peine. Après en avoir présenté la fonction, Montesquieu se penche sur la nature de la monnaie, suit alors une explication factuelle et matérielle. On prend quelque métal pour que le signe soit durable, se consomme peu par l'usage, soit capable de beaucoup de divisions. On choisit un métal précieux qui puisse aisément se transporter, etc. Dans ce passage, les formules impersonnelles, on prend, suivies de l'adverbe indéfini, quelque métal, décrivent quelque chose comme une coutume. Coutume qui n'a pas véritablement d'origine. C'est un acte impersonnel, répété, souligné ici par l'usage du présent. Et que chaque État aurait, au bout du compte, repris à son compte, frappant les monnaies de son empreinte. Ayant évoqué l'État,
Montesquieu en vient immédiatement à Athènes et Rome, soit les États fondateurs par excellence. Hein. Sauf que voilà, à Athènes, il n'y avait pas de métaux. On s'y serait alors servi de bœufs comme d'une monnaie. Montesquieu, si fin d'habitude, ne commet-il pas ici un raccourci d'une étonnante ingénuité? A-t-il véritablement envisagé que l'on paya jamais en bœufs? L'essentiel est pourtant peut-être ailleurs. Il tire simplement ici de la différence entre des bœufs un argument en faveur de la nécessité d'une norme pour les pièces de monnaie. Et de fait, les pièces de monnaie grecques représentent fréquemment des bœufs. Et les monnaies des Romains renvoient volontiers aux moutons et aux brebis, hein, que l'on appelle en latin « pecus », ce qui a donné en français lieu à tous nos soucis « pécuniaires ». Mais comment le bœuf arrive-t-il sur la pièce de monnaie? Il semble ici, dans ce raccourci hein, emprunté par le penseur, qu'il nous manque un relais ou une étape. Dans un autre chapitre du même Esprit des lois, Montesquieu écrit « Soyez seul et arrivé par quelque accident chez un peuple inconnu. Si vous voyez une pièce de monnaie, comptez que vous êtes arrivé chez une nation policée. La culture des terres demande l'usage de la monnaie. Cette culture suppose beaucoup d'art et de connaissances, et l'on voit toujours marcher d'un pas égal les arts, les connaissances et les besoins. Tout cela conduit à l'établissement d'un signe de valeur. » Ici, la monnaie est le signe d'une forme de culture et d'agriculture, mais le sceau demeure. Hein, car si la culture des terres demande l'usage de la monnaie, comment est-ce que l'un s'enchaîne-t-il à l'autre? Ils marchent, certes, d'un pas égal, mais comment s'instaure-t-il? Comment passe-t-on d'un âge de sauvagerie à l'agriculture et à l'usage de la monnaie qui caractérise précisément les nations policées? La question est posée. Mais la constellation mythique qui lie ces éléments n'est plus accessible ici. Dans la fiction, en revanche, nous en parviennent peut-être encore la lumière et un écho lointain et faible. Ainsi, dans les lettres persanes, on s'en souvient, elles commencent par un départ. Ouzbek et ses compagnons quittent leur pays, contraints de se mettre à l'abri des fureurs d'un despote, et ils assistent notamment en France au développement et à la chute du système de l'eau. Dans la lettre 142, un savant fictif refait l'histoire du dit système dans un registre mythologique et satirique, transposant l'actualité dans un monde où l'eau serait le fils d'Éole, donc dieu du vent, hein, lui-même vendeur de vent, selon une métaphore parfaitement topique à l'époque. Et ce vent, c'est évidemment du papier sous forme d'action de la compagnie du Mississippi. Or, il le vend d'étranges manières, invitant les peuples à le rejoindre dans les domaines des richesses de l'imagination, qui, dit-il, régleront la dot de vos femmes, la légitime de vos enfants, le nombre de vos domestiques. Et quant à vous, dit-il à ceux de la troupe qui étaient le plus près de lui, quant à vous, mes chers enfants, je puis vous appeler de ce nom, car vous avez reçu de moi une seconde naissance. Mon écriteau décidera de la magnificence de vos équipages, de la somptuosité de vos festins, du nombre et de la pension de vos maîtresses. L'empire de l'imagination est ici celui d'une fécondité prodigieuse, pourvoyant à tous les besoins, comblant tous les désirs. Mais surtout, c'est une seconde naissance qui, évidemment, s'apparente à un baptême, à une renaissance à l'esprit, aux signes, aux valeurs de l'imagination. Et comme le véritable baptême, le baptême chrétien, celui qui est en jeu ici, transforme en membres d'une seule et même communauté sociale toutes celles et ceux qui le reçoivent, toutes et tous liés entre eux par la même confiance, par la même foi et la même ferveur dans les signes de la valeur écrits sur papier. Le problème est que l'expression « seconde naissance » était déjà apparue dans les lettres persanes dans un tout autre contexte, c'est-à-dire à la lettre 15, lorsqu'un vieil eunuque s'adresse à un jeune eunuque et lui raconte cet événement fondateur,
c'est-à-dire castrateur, qui l'a rendu apte à servir dans un sérail. Après que le jeune homme a subi l'opération, le vieil eunuque avait apaisé ses pleurs et ses cris, tandis que, par-devers lui, voici ce qu'il ressentait. « Je crus te voir prendre une seconde naissance et sortir d'une servitude où tu devais toujours obéir pour entrer dans une servitude où tu devais toujours commander. » Cette idée étrange d'une seconde naissance ou baptême de l'eunuque renvoie ici à un passage de la Bible, Actes 8, 38, où un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie, est baptisé par l'apôtre Philippe. Or, cet eunuque lisait jusqu'à son baptême un texte sacré qu'il ne comprenait pas, un passage de l'Écriture où l'on mène une brebis à la boucherie et où il est question en réalité de sacrifice. Toute sa lecture ne s'éclaire qu'au moment où il a reçu le baptême. On ne saurait en réalité mieux dire que le baptême initie à l'Écriture, initie à l'économie du papier et des signes, mais que son prix est la castration, ou du moins le sacrifice d'une pulsion sexuelle masculine. D'une seconde naissance à l'autre, de celle promise par le fils d'Éole à celle promise par le vieil eunuque, le motif évoque les deux faces d'une pièce, hein, entrée dans une communauté d'une part et castration de l'autre. Et tandis que les eunuques se trouvent par définition privé de la puissance générative, l'eau promet à ses ouailles une fécondité surnaturelle. Autrement dit, dans la communauté sacrée des baptisés, les liens ne sont plus filiaux, ils ne sont plus naturels, ils sont spirituels, fondés sur des signes et sur une foi partagée. La puissance générative n'est plus située dans les bourses de l'homme, père et maître de ses domaines et d'une économie domestique, elle se trouve déplacée vers la bourse tout court et la loi de l'eau, où s'échangent entre croyants des papiers aux signes féconds. Ce thème, si présent dans les lettres persanes, apparaît en réalité de manière proéminente dès la toute première lettre du texte, où l'on rencontre une figure de vierge. Ouzbek et ses compagnons vont faire leur dévotion sur la tombe d'une vierge à Côme, juste après avoir quitté Isfahan. Une vierge qui a mis au monde 12 prophètes. Et qu'est-ce qu'une vierge dans ce contexte ? C'est évidemment une figure de fécondité paradoxale, une figure de fécondité surnaturelle ou antinaturelle. Elle est à l'image de la fécondité de l'argent qui engendre ces fameux tokos, ces rejetons, comme les appelait Aristote, en se passant précisément de la puissance générative des hommes. On pourrait multiplier les exemples de ce type avec des romans plus ou moins célèbres du XVIIIe siècle, plus ou moins connus, des romans qui mettent en lien défaillance de la virilité, ajournement indéfini de la jouissance, promise mais jamais accordée, sublimation du désir sexuel, voire bien entendu castration, et d'autre part, l'instauration d'une communauté symbolique de valeurs. Des textes qui mettent en lumière un fonctionnement des signes fondé sur un défaut fondamental et qui convoque par ailleurs des formes paradoxales de fécondité. Or, ces thèmes forment peut-être bien une constellation ou sont peut-être susceptibles de renvoyer à une ur-scène, une scène originaire mythologique. Nous avons dans ce colloque déjà beaucoup évoqué Simmel, mais la lecture de son compatriote, plus jeune d'une bonne génération, Bernhard Laum, pourrait s'avérer tout aussi stimulante. En 1924, ce dernier, historien de l'économie, archéologue et helléniste, a en effet écrit un traité intitulé « Heiliges Geld, eine historische Untersuchung über den sacralen Ursprung des Geldes »« Argent sacré, une enquête historique sur l'origine sacrée de l'argent ». Et j'attire votre attention sur la date de publication, hein, 1924, qui ne doit évidemment rien au hasard. Dans ce texte, Laum constatait que la Grèce avait toujours été pauvre en métaux,
Mais il constatait également que l'on aurait fréquemment trouvé, lors de fouilles archéologiques, des broches, des trépieds, des haches et autres objets de sacrifice dans les temples, et objets que l'on retrouve, entre autres, sur des pièces de monnaie. Et l'analyse qui suit est passionnante parce que l'homme se replace dans les petites cités-états grecques où les banquets étaient de grands moments fondateurs. Or, le banquet était également toujours une fête rituelle et religieuse, lors de laquelle on sacrifiait un bœuf dont on se partageait la viande entre concitoyens. Ces bœufs, au préalable, avaient été cédés à l'État ou au pouvoir religieux qui se chargeait du sacrifice et de la distribution de la viande. Mais ce don n'était pas entièrement gratuit, puisqu'on recevait en contrepartie de l'animal offert un certain nombre de broches qui donnaient ensuite accès à une quantité précise de viande lors du banquet. La broche assurait donc sa place à son détenteur au banquet et lui assurait son rang dans la communauté sociale de l'État. Il n'y a dès lors plus qu'à imaginer que l'on se trouve bien pourvu de broches et que le banquet n'aura lieu que dans une semaine. Rien n'empêche, dans ce laps de temps, de les échanger contre d'autres biens ou services, permettant à d'autres d'obtenir leur place au banquet. Insensiblement, la broche devient donc monnaie, et le processus de symbolisation se met en marche. Dès lors, on frappe sur des monnaies, des emblèmes rituels, des sacrifices, comme on en broche aujourd'hui encore des lettres pour signifier des monnaies, hein, telles que le dollar, le yuan ou la livre sterling. Et si le banquet n'avait lieu que dans une année, les monnaies serviront pendant tout ce laps de temps à toutes les fonctions commerciales et autres. Bref, pour Laum, la valeur de la monnaie est d'emblée fondée sur un sacrifice rituel par lequel s'instaure la communauté sociale et symbolique. Ce qu'il n'interroge pas, en revanche, c'est la victime du sacrifice, le bœuf. Pourquoi le bœuf ? Alors, Marcel Hénaff, hein, dont on a parlé à l'instant, nous donne une réponse. Le bœuf, intégré à l'univers des hommes, est l'animal pondéré, retenu, le plus humanisé et le meilleur des animaux. C'est pourquoi, pour les Grecs, il est aussi par excellence l'animal propre au sacrifice. Et un peu plus loin, il revient en disant « Le bœuf, animal par excellence, offert en sacrifice, se situe à la jonction des deux éléments majeurs de la nourriture, la viande et le blé, puisque non seulement il peut être mangé, mais il permet aussi par le labour le processus qui est la base de la culture du blé. En cela, il est le symbole de la vie proprement humaine, nourriture et travail. » Alors pour celles et ceux qui connaissent le texte, de tels passages ont de quoi laisser songeur. Hénaff, par ailleurs si profond, un penseur profond, ne dit ici véritablement que des banalités. Et il passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire que le bœuf est un animal castré. Dans un autre essai, Christina von Braun, dans un essai total sur l'argent, qui refait une histoire globale des origines à nos jours, dans un essai total paru en 2012 sous le titre « Der Preis des Geldes, eine Kulturgeschichte », le prix de l'argent, une histoire culturelle, met le doigt précisément sur ce point. Elle lie entre eux sacrifice, castration, instauration de la communauté et monnaie symbolique. Le bœuf est l'animal des sacrifices parce qu'il est réellement castré. Et c'est parce qu'il est castré qu'il peut être dit, avec Hénaff, intégré à l'univers des hommes, pondéré, retenu, le plus humanisé et le meilleur des animaux. C'est surtout parce qu'il est castré qu'il peut devenir l'animal des labours. On n'attache pas de taureau à une charrue, on y attache un bœuf et un homme. Historiquement, nous dit alors von Braun, la technique de castration des bœufs accompagna l'établissement des sociétés agricoles ainsi que, comme l'avait bien vu Montesquieu, l'usage des pièces de monnaie qui fondent la communauté. Mais l'auteur de l'Esprit des lois, comme Marcel Hénaff et comme tant d'autres penseurs masculins, tous ont refoulé le moment de la castration. L'analyse de von Braun permet donc de remplir la case vide
dans la réflexion théorique de Montesquieu. Elle remplit ce que la théorie ne voit plus ou refoule. Elle permet surtout de donner ici une cohérence, certes mythique, à ce quelque chose qui hante la fiction du XVIIIe siècle, l'angoisse de la castration, et qui est en réalité une angoisse liée à l'émergence d'un nouveau média de la monnaie, le papier. Car précisément, ce papier est ce qui castrera l'ancien régime de type féodal, fondé sur une économie domestique et patrimoniale, gouvernée par un pater familias ou un oikonomos au sens grec. De là où l'ordre social, donc de fait, un ordre social qui reposait sur la filiation, c'est-à-dire sur les liens de sang, sur la génération, sur la transmission des titres, des fortunes et des patrimoines, l'émergence des papiers de l'eau introduisent un tout autre type de socialité que l'on appellerait volontiers disruptive, hein, pour ne pas employer un terme à la mode qui renvoie une fois de plus à notre cher thaumaturge. L'ancien régime et la noblesse en particulier prend obscurément conscience dans la fiction des lettres persanes qu'elle ne pourra bientôt plus se reproduire socialement et qu'après avoir été castrée symboliquement, elle pourra bien finir sacrifiée réellement. Sacrifiée pourquoi ? Sacrifiée pour instaurer le papier, pour instaurer le nouveau régime symbolique des valeurs. Von Braun note qu'en temps de crise et débâcle, note qu'au moment où le doute commence à poindre sur les valeurs fictives, les papiers ou autres, s'impose la nécessité de rappeler à tous l'origine de la monnaie, c'est-à-dire le sacrifice. Le terme lui-même, monnaie, vient du latin, c'est-à-dire manere, hein, commémorer, rappeler, d'où les monnaies commémoratives, rappeler à tous le banquet sacrificiel par lequel s'instaure la confiance. Ainsi, les crises financières, telles que celles suscitées par l'eau, mais de nombreuses autres depuis, se terminent généralement par des sacrifices. Pour que tous puissent y croire, conclut von Braun, il faut que certains y passent ou en fassent les frais. En allemand, « dann glauben sie ans Geld, weil einige dran glauben müssen », on a ici un jeu intraduisible sur le verbe « glauben », donc c'est-à-dire croire, avoir la foi, et « dran glauben », c'est-à-dire y passer, en faire les frais. Je m'arrête là en m'empressant, donc, voilà, une fois de plus, de vous présenter mes excuses pour ce mot de fin, mais j'ai essayé de souligner, hein, je l'ai fait abondamment, que tout ceci ne sont bien évidemment que des fictions, des légendes, que tout ça ne renvoie qu'à une mythologie, ou pour le dire encore avec Klossowski, à des constellations éteintes pour nous et à jamais éloignées. Je vous remercie.